Nous la visite yakan on a ligné na yeba ngeni ni soda na famille na ye bazali soigné. Remercier son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême d'avoir initié et rendu possible la mise en œuvre de ce projet jusqu'à son aboutissement. Jamais vu, mais c'est la première fois que nous avons chef de l'État à notre franchi hôpital militaire. Tout le monde est témoin, c'était de tant, tout le monde est à tout le monde est témoin, mais Mungu à Mukumbu qui est papa. Fachi, il est le numéro un, il a marqué. Ah, nous sommes très contents de ce que le président vient de faire pour nous à l'hôpital. Vraiment, nous les remercions infiniment pour cette œuvre. Merci. Na eloko sale libiso basia basoda bana basoda na basoda. Tozala ki nango te meto komi nango o sale libiso bijou moko ya malam. To pesio merci. Il est le symbole de joie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne en lui l'essence de l'amour et redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Son cœur aimable et compatissant l'a déplacé de sa résidence le mercredi 30 août pour l'hôpital militaire Colonel Tchati. Le président Félix Tshisekedi a visité l'enfant Calvin Ikulibokeseni, hospitalisé depuis plus de 2 mois à l'hôpital militaire Colonel Tchati pour des soins médicaux adéquats de la tumeur rétinoblastone de l'œil droit, un cancer le plus fréquent chez les enfants. Sous l'impulsion et le financement du président de la République Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli a subi l'exérèse de la tumeur après plusieurs examens approfondis. Accueilli à son arrivée par le médecin directeur de ses bâtiments médicaux, quelques autres médecins spécialistes et généralistes, ainsi que tout le personnel, le chef de l'État s'est rendu par la suite dans la chambre VIP où Calvin est interné. Sur place, le président Félix Tshisekedi s'est enquéri de l'état de la situation de ses malades. Le chef de l'État a obtenu tout le rapport médical de cet enfant. Le garant de la nation a décidé le transfert de Calvin Ikuli à l'étranger pour la seconde étape de ses soins médicaux au service de la radiothérapie. Nous avons pris en charge l'enfant Calvin à une étape déjà assez avancée de sa tumeur. Dieu soit loué, les examens produits après la chirurgie n'ont pas fait état d'un cancer. Les examens produits tout récemment, le scanner de la tête, de poitrine, de l'abdomen et du bassin n'ont pas montré de métastases. La tumeur s'est arrêtée au niveau de la tête. Nous estimons que le plus vite possible, il faut qu'on prenne un contact avec un service où l'enfant peut être transféré. Mais au même moment, nous devons voir comment maintenir son état général. S'il ne peut pas manger par la bouche, mais au moins, on peut lui donner ce que nous appelons l'alimentation parentérale, bon, qui se maintiennent quand même jusqu'au jour où on pourra les déplacer pour aller là où il peut bénéficier de la radiothérapie. C'est comme ça que nous pensons que si l'enfant peut être transféré dans un service autre, peut-être où ils ont un peu plus d'expérience sur ces types de tumeurs, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Très ému par ce geste, le parent de l'enfant a eu des mots justes pour remercier le président de la République. On avait demandé l'aide du président de la République
avec l'humanisme, c'est-à-dire l'amour du peuple congolais et de la jeunesse en général. Il a accepté de descendre sur le terrain lui-même pour palper les doigts. Vraiment, nos remerciements sincères, nous adressons ça auprès du président de la République. Interné depuis le mois de juin dernier, sur ordre du père de la nation, Félix Tshisekedi, Calvin Ikouli, âgé de 8 ans, avait, à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, lancé un message au chef de l'État de lui venir en aide pour des soins médicaux afin de retrouver la vue. Donc elle reste comme ça pendant combien de temps? Tant que le bébé est grandi, le contact est vraiment. Déjà, on prend le bébé, tu donnes encore le temps avant de le prendre. Mais sinon, le bébé est comme beaucoup avec le temps. C'est mon patron, c'est sa métier. Bonjour, bonjour. Et maman, et félicitations. Bonjour. C'est le bébé. C'est une fille. Elle s'appelle comment? Quel est son nom? Elle n'a pas encore son nom. Son prénom. Ah, le papa n'a pas encore son nom. Mais la maman n'a pas un. Elle n'a pas une préférence. La maman n'a pas un prénom. Maman Demi, à gauche. Déjà. Bon, il faut penser à donner quelque chose à ma famille. Je suis un directeur,
salobasi. Donc ça vraiment toi pour te bénéficier. Pour les matières. Je fais mis à peine à l'ensemble. C'est un colon dans la salle de Sayo, c'est possible. Ça n'a pas de courage. Ça dure en acrobatique avec. Écoute. Et c'est toi ma belle.